أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Nous commençons notre discours aujourd'hui pendant ce mois de Ramadan, le béni, par un hadith qui est célèbre, qui parle de l'intention. Selon l'émir des croyants, Amir al-Mu'minin Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. Celui qui s'est exilé pour la cause d'Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, son exil sera compté pour Allah et son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui est exilé pour parvenir à des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son exil sera compté pour la raison qui l'a poussé. Ce hadith est une base fondamentale pour ce qui est des actes du cœur. Les intentions font en effet partie des actes du cœur. Et les gens sont récompensés ou châtiés ou privés de la récompense en fonction de leurs intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet donné comme exemple l'émigration, l'hijra. L'hijra qui signifie le déplacement du pays de l'idolâtrie vers un pays de l'islam. Et il a montré que ce déplacement, qui est un seul acte, et qu'il était un fondement de l'islam, au début de l'islam, après le témoignage de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le deuxième pilier, c'était l'immigration. Et il a montré que ce déplacement, qui est un seul acte, peut être pour une personne une récompense et pour une autre personne une privation de la récompense. Celui donc qui a émigré pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que
Celui qui a immigré pour acquérir les biens de ce bas monde, il sera privé de la récompense dans l'au-delà. Et il n'aura la récompense que ce qu'il a émigré pour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, on fera venir le serviteur chargé de ses bonnes œuvres, immenses, comme des chaînes de montagne. Un crieur interpellera, celui qui avait subi un préjudice causé par ce serviteur, qu'il s'avance pour récupérer ses droits lésés. Des gens arriveront aussitôt et puiseront de ses bonnes œuvres jusqu'à ce qu'il en soit totalement dépouillé. Et le serviteur demeurera perplexe. Le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lui révélera, « Je t'ai réservé un trésor que je n'ai dévoilé à personne. » Le serviteur s'écriera, « Ô Seigneur, et quel est ce trésor ?» Il lui annoncera, « C'est la bonne intention que tu avais témoignée pour faire le bien, alors que tu étais dans l'incapacité de le réaliser. Je te l'ai inscrite à ton compte. » Et on a relaté dans ce sens le récit suivant. L'un des hommes pieux du peuple de Moussa, alayhi salam, passait tout près d'une dune de sable. Il désirait en son fort intérieur, il disait, « Si cette dune eût été faite seulement de froment, j'aurais ramassé tout mon peuple, j'aurais rassasié tout mon peuple qui souffrait à cette époque de la famine. » Allah subhanahu wa ta'ala suggéra à l'un des prophètes de ce peuple et lui dit, « Dis à cet homme pieux que Allah t'a accordé une rétribution comme si la dune était vraiment du froment et que tu aurais donné en aumône. » Je répète le hadith. L'un des hommes pieux du peuple de Moussa alayhi salam passait tout près d'une dune de sable. Il disait en son fort intérieur, si cette dune eût été faite seulement de froment, j'aurais rassasié tout mon peuple qui souffrait à cette époque de la famine. Allah subhanahu wa ta'ala suggéra à l'un des prophètes de ce peuple, dis à cet homme pieux que Allah t'a accordé une rétribution comme si la dune était vraiment du froment et que tu aurais donné en aumône. Et dans un autre récit, on a mentionné le jour de la résurrection, on fera venir le serviteur et à qui on lui donnera dans sa main droite son livre, c'est-à-dire son livre de Hasanat, ou bien de Sayyiat. On lui donna son livre dans sa main droite. Il verra dans ce livre le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, l'aumône légale, des œuvres de bienfaisance. Étonné, le serviteur se demanda, « Mais je n'ai jamais accompli de telle action. Ce n'est certainement pas mon livre. » Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, « Lis, c'est ton livre. Tu avais longtemps vécu en disant, si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait le pèlerinage, j'aurais fait l'aumône, j'aurais fait du bien, etc. Et puisque je savais que tu étais véridique, je t'ai accordé la rétribution réservée à ces bonnes actions. » Aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, « Quiconque a aimé un homme pour un acte juste qu'il avait accompli, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que cet homme est l'un des damnés de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une récompense de l'avoir aimé, comme s'il avait réellement aimé un homme destiné au paradis. » Je répète le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque a aimé un homme
pour un acte juste qu'il avait accompli, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que cet homme est l'un des damnés de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une récompense de l'avoir aimé, comme s'il avait réellement aimé un homme destiné au paradis. Et selon un sage, il a dit, combien de dormeurs obtiendront la récompense de ceux qui prient? Et combien sont nombreux ceux qui prient et qui seront inscrits au nombre des dormeurs? Combien de dormeurs obtiendront la récompense de ceux qui prient? Et combien sont nombreux ceux qui prient et qui seront inscrits au nombre des dormeurs? Le premier, combien de dormeurs obtiendront la récompense de ceux qui prient? Ce premier, c'est le cas de quelqu'un qui a l'habitude de se lever une partie de la nuit et faisait ses ablutions et priait jusqu'à l'aube. Chaque jour, il couchait avec cette intention. Mais il arrivait que le sommeil le prenait jusqu'au matin. Il se réveillait et s'affligeait d'avoir manqué la prière de l'aube. Alors, il sera inscrit au nombre de ceux qui prient grâce à son intention. Ça, c'est pour le premier cas. Je répète, le premier cas pour les dormeurs qui obtiendront la récompense de ceux qui prient. C'est le cas de quelqu'un qui a l'habitude de se lever une partie de la nuit et faisait ses ablutions et priait jusqu'à l'aube. Chaque jour, il couchait avec cette intention, l'intention de se lever et faire la prière. Mais il arrivait un jour, ou bien une nuit, que le sommeil le prenait jusqu'au matin. Il ne s'est pas réveillé. Et quand il se réveillait, il s'affligeait d'avoir manqué la prière de l'aube. Alors, il sera inscrit au nombre de ceux qui prient, grâce à son intention. Le deuxième cas, et combien de nombreux qui prient et qui seront inscrits au nombre des dormeurs, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier la nuit. Alors qu'une fois, il se réveille, croyant que c'est déjà la pointe de l'aube, il se lève, fait ses ablutions, va à la mosquée, mais il constate que ce n'est pas encore l'aube. Et il se met à attendre le moment de la prière, tout en pensant dans son fort intérieur, il disait, si je savais que l'aube ne pointait pas encore, j'aurais dû rester au lit. Celui-ci sera inscrit au nombre des dormeurs, bien qu'il soit éveillé. Et ce, conformément aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs. C'est un hadith authentique rapporté par le musulman. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs, c'est-à-dire vos intentions. Rapporté par le musulman. Sadaqa Rasulullah, wa sadaqa Habibullah, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين
على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟